Mesdames et messieurs, amis fanatiques TV la kay Haiti.com yo, c'est Konya Guerrel, c'est Konya et mec qui gè causé dans la République. Go bonjour, bonsoir pour nous tous. Jodi c'est mardi 19 septembre 2023. Et ben nous content avec vous sur channel pour la TV la kay Haiti.com, channel information. Nous là du lundi au dimanche pour nous kembeu informer sur tout ce qui a passé dans le pays, actualité politique, musique, sport. Et ben nous là, n'a pas coup de patte sous frontière précisément. Eh ben non, Wanamet, mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé là, Nabdou, États-Unis prend gros mesure contre Abinadel, qui c'est président dominicain, qui, eh ben, monsieur sorti là pour finir avec petit peuple haïtien. Monsieur déploye l'armée, monsieur déploye tout ça au gagné comme, eh ben, matériel, mesdames et messieurs. Et donc, pour eux même capable et camper et bail pression avec un haïtien qui décide construire un seul petit canal alors que République Dominicaine li prend 11 nous même n'a construit yon et ben Abinadel dédoublé fâché mauvais pays les États-Unis mesdames et messieurs dit Abinadel et ben ouvert frontière plus vite que possible si toutefois ou pas ta vle malé rivé ou mesdames et messieurs et ben c'est William O'Neil et ben qui c'est un américain mesdames et messieurs qui c'est expert des Nations Unies en droit de l'homme monsieur passer Abinadel l'ordre pour ouvrir et frontière bien rapide et pas gagner débat sur ça, pas gagner par l'empile sur ça. C'est rapide vite pour Abinadel lui-même ouvrir frontière pour toute bagaille refonctionner. Abinadel pas gagner le choix, il toujours compter sur l'autre nation, surtout États-Unis, bon même si il est même hypocrite yo, mais Abinadel là pas gagné le choix qui ouvert frontière rapide vite que possible mesdames et messieurs pour lui-même capable bail laisser passer à commerçant dominicain et haïtien pour toute bagaille continuer fonctionner normal. Et dans vidéo ça n'gain stand de Lucas qui lui-même en ben pral ban nous réalité gain là et ça ou pas connait que Ariel impliqué entendez. Posé en dominicain. Bon. Stand de Lucas, je dis à la et où c'est avant entrer dans le sujet et par rapport à mon qui se parle, passé, il y a deux bagailles urgentes que m'a dit. Quand l'organisation doit à mon qui existe dans le pays d'Haïti, il est important que, aujourd'hui, ils organisent une réunion. Dans la réunion, ça a invité le représentant OEA en Haïti, qui c'est Cristobal. Mandé Cristobal pour que la Commission interaméricaine des droits de l'homme voie une commission d'enquête dans toute localité côté haïtien a subi abus en République dominicaine et côté gouvernement dominicain n'a pas respecté obligation internationale qu'il gagne pour protéger citoyens haïtiens qui le boit parce que selon convention la République dominicaine signe il y a des obligations internationales pour protéger tout citoyen haïtien qui le boit. Nous avons depuis 3 déclarations que le président Abinader fait dans fan 1 plusieurs côtés en République dominicaine. Il y a des abus qui ont fait sous le peuple. Nous. Donc, dans l'organisation de l'un pays d'Haïti, il y a deux bagailles pour vous faire. Le premier bagaille là, inviter les représentants OEA à une réunion pour demander que la Commission interaméricaine des droits de l'homme fasse enquête. Le deuxième bagaille que vous devez faire, faire une conférence call avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, vous avez contact là, et vous avez l'aide officielle Bayo, l'aide là, publier le nom, liste pour nous protéger les citoyens, nous, c'est le bois. Oui, Stanley. Oui. Donc c'est pour vous, ça me dit pour les citoyens qui parlent, il faut que nous protégions. Correct. Alors, Stanley Lucas, on va parler là, à qui tu dois parler là, je dis là? Bon, citoyen d'abord, et puis ancien conseiller spécial président Jovenel Moïse Sauvléa, et spécialiste en développement politique et démocratie dans le monde, et ancien professeur de sciences sociales, sportif, tout ça. Où tu travailles pour l'ambassade d'Haïti à Washington? Pas même de tout, c'est un chèque cap circulaire, c'est pas ça la vérité. Non, c'est pas mon chèque. Il ne faut pas faire de politique. Je ne travaille pas. Vous êtes conseiller président Jovenel Moïse, vous êtes touché quand même? Oui, absolument. Son fonctionnaire d'État qui m'a dit que je ne fais pas de chèque. Ok. Vous manquez ministre intérieur, Stanley, vous n'allez pas faire ça. Vous avez une proposition, là, vrai? Oui, vous avez voulu le système comme ministre de l'Intérieur, mais les oligarques qui ont dit que vous avez monté dans l'appareil national, ils ont commencé à trembler.
Yo kouide yo. Bon, yo kon tap devye l'an moi Jovenel la Moïse la. Yo kon tap devye. Non, c'est pas seulement ça. Et tout gang à cravate yo, a gang à cravate, gang à sabate yo, pas dans l'existence encore. Et moi même fait expérience. En Afrique? Au Salvador, avec MS-13 comme gang, fait expérience en Afghanistan avec Taliban, fait expérience au Nigeria avec Boko Haram, ou mouvement terroriste. Ben ça, nous gagnons dans le pays d'Haïti. Son petit bagage qui est lié par rapport à gros gang qui est bien Salvador, ou bien ça qui est bien Afghanistan, ou bien ça qui est rencontré au Nigeria. Ça nous gagne là, c'est un bagage qui est résolu dans 4 mois, sans problème. Ou pas, on parle avec Dr. Ariel Henry, et avant, ou bien pendant le pouvoir là, ou pourquoi je me parle avec lui? Et nous avons parlé, le président s'est fait nommer avec lui dans samedi, et nous avons fait une conférence call, moi-même, lui-même, le président. Après ça, les immobiliers, il y a deux ministres. Il y a deux ministres qui étaient les lèvres pour venir offrir une corde avec position. Je me dis que je vais travailler pour donner un impliqué dans tous les présidents de Jovenel Moïse. Ok. Et Stanley, je ne veux dire là, nous remarquons que le président Abinadel, qui est avec une triple nationalité, monsieur c'est dominicain, monsieur c'est américain, monsieur c'est libanais. Il est dans le pays, il a un bout de canson, il est entré en République dominicaine et il fait richesse li. Je ne veux dire là, il est bon pour le camp en tirant sur le territoire ça, sur territoire et deux pays. Bon, et d'abord, famille madame monsieur, c'est mon inscrit. Famille madame monsieur. Mm-hmm. Papa et grand-papa avec grande madame Abinader, c'est inscrit au territoire pendant longtemps. Après ça, il a traversé Saint-Domingue. Abinader, origine, c'est dans votre pays exactement. Vous savez, qui compte dans ses compas normalement. Vous êtes dans ce petit tropicanal. Donc ça veut dire que. Origine famille, monsieur, c'est pas des pères avec Jacques Mel. C'est ça. Ya. Pas oublier, pour dire que le capitaine de là, et c'est pas moi-même qui dis, son président dominicain qui dit qu'il est pour Vito Meïa. Oui. Monsieur, nous constatons 90% dominicains qui sont haïtiens. Donc, je vais vous dire ça pour auditeur. Ouais. 90% dominicains qui sont haïtiens. Correct. Je vais vous dire ça pour répondre. Pour répondre à la question qu'on pose là, et bon, il y a des détails techniques que nous connaissons déjà. Et le canal, là, son canal que le président Jovenel Moïse a commencé à bâtir. Les dominicains ont fait des fonds de monde. De faire réunion avec vous, avec la commission binationale là. Mais on dit sous président Martelly, Jovenel Moïse, na, a, par rapport à Agritas, par le biais de Agritas, si manger comme là. Vous avez une propagande politique qui est liée, bien entendu. Il y a des mecs qui passent, il y a des mecs qui passent, j'aime bien le crédit à Jovenel. Et même Martelly, tout, même si Martelly est impliqué dans tous les présidents, mais il y a des bagages Martelly fait, pas besoin de balle crédit, même si nous avons des bagages Jovenel fait, pas besoin de balle crédit. Donc, le président Jovenel Moïse commence à bâtir le canal là, et Dominique Léroté, qui est un second homme, a fait, contrairement à ça, il a dit, c'est une réunion qui fait, nous ne pas faire. Une réunion qui fait en République Dominicaine, nous signons communiqué conjoint avec eux, pour qu'il n'y ait pas aucun problème à ce canal là. Nous devons communiquer conjoint, bah, ça tout, bah, ou même, bah, et galette avec telle force. C'est tellement vrai que nous finissons signer un communiqué conjoint avec le côté d'accord à Canada. Donc, Canada légal aux yeux du droit international, Canada moral. Donc, là, nous finissons signer un communiqué conjoint le 27 mai 2021, côté d'accord à Canada. Soit dans des journaux dominicains, Listing Diario, 29 mai 2021. Ou dans des journaux dominicains, Aracandia, 29 mai 2021, YouTube, que. Le président dominicain, le gouvernement dominicain n'a pas aucun problème à prise que nous passons sous frontière. Donc, question qu'on doit poser sur les jeudi, pour qu'il s'agisse à faire tout le scandale, ça a pour rien, parce que nous sommes d'accord à ce canal-là. Donc, ça veut dire que bon, l'autre bagaille qui a réglé, et c'est là où nous faisons attention. Pour la question que vous posez, est-ce que c'est des blancs corrompus qui cachent des messieurs par rapport à Milo qui sous frontière? Nous connaissons les mines qui sont sous frontière, les parties qui sont dans le bord, les parties qui sont dans le bord panne. Lorsque ça a 24 carats qui sont liés, il y a des côtés d'où sont là qui vaut 40 milliards de dollars américains et des côtés d'où c'est 60 milliards qui vaut. Regarde, est-ce que ces compagnies canadiennes qui sont les mines gold là,
les compagnies ça a été fait contrat dans le pays d'Haïti, et dans le contrat ça a été corrompu. Parlement, à travers une résolution que le fait en 2012, qui a annulé tout contrat corrompu. Et étant donné que constitutionnellement parlant, Ariel n'a pas qu'à prendre type d'engagement ça a eu pour la nation dans si un contrat corrompu. Toujours le président Jovenel Moïse Tézini, il est venu privé de signer pour 4 500 000 000 $ américains contre l'annulé. Est-ce que c'est ça, je vous dis, ce problème, non? Sous frontière. Parce que, lorsqu'on signe un communiqué conjoint au pays, il n'y a pas de problème après bloquer Haïti le 29 mai 2021. Et puis, je vous dis, il y a 2 ans après, il s'est venu faire un domon au niveau international. Mais, dans ce conflit-là, livrez-nous à la résolution de problèmes plus sérieux. Peuple dominicain veut vivre avec peuple haïtien. Peuple haïtien veut bien vivre avec peuple dominicain. Les minorités Saint-Domingue, c'est eux-mêmes qui ont fait un génocide sous nous en 1937, ils ont préparé un nouveau génocide. Donc, nous demandons aux haïtiens, nous avons un travail patriotique et national pour nous faire, pour nous préparer à une éventualité côté minorité raciste qui représente 2% de Saint-Domingue, créer un problème entre les deux pays. Parce que bon, l'alliance qui existe entre minorités corrompues, parce que dans les temps libanais haïtiens, il y a des Libanais sentiments, des Libanais vagabonds qui sont les Libanais oligarques. Même dans tout Saint-Domingue, il y a des Libanais oligarques, avec des Libanais dominicains qui sont Louis Abinader, lui font alliance avec Libanais haïtiens qui sont Vob, qui sont Boulos. Lors des derniers discours que Abinader fait, c'est Libanais haïtiens qui ont fait discours à lui. C'est lui-même qui a fait discours ça. Donc, alliance qui vient entre oligarques Libanais dominicains et Libanais haïtiens, lui représente une menace pour deux peuples. Il représente une menace pour le peuple dominicain, il représente une menace pour le peuple haïtien. Parce que l'alliance a essayé de faire provocation pour que le conflit entre Haïti et la République dominicaine, alors que deux pays n'ont pas voulu rentrer en conflit. Deux peuples voulaient vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a remarqué le comportement Ariel Henry avec une dignité qui est liée avec l'oligarque haïtien. Où est le comportement qui a gagné dans la crise là? Les nègres font réunion, conseil permanent de l'OEA rapidement pour désamorcer ce qu'a fait là. Montrer communiqué conjoint qui a été signé le 29 mai 2021. Ne pas aucun problème pour respecter toutes les bagages techniques hydrauliques pour suivre au fait. Je dis pas fait ça. Donc ça veut dire que les nègres n'ont pas avancé. Et Ariel Henry a dit Abinader, ensemble avec l'oligarque, dit Abinader, mon cabas, c'est qu'on a la sous-boisie, on n'a pas qu'un anarchiste créé. Alors qu'il n'est pas vrai. Donc, je veux dire, nous devons faire très attention, et c'est pour ça, dans le court terme, on nous désamorce cette crise-là, pendant qu'on continue l'article là, dans le moyen et le long terme, on nous fait l'éducation politique, population noire, pour si demain matin, on tentative de génocide, nous comptons qui est-ce, genre, pour nous défendre cette nous, comment pour nous baptiser l'armée, comment pour nous renforcer la police, comment pour nous faire service intelligence. Parce que au niveau conventionnel, dominicain, il y a plus d'ambassades. Il y a une armée de 60 000 hommes. Mais en même temps, tout, regardez, par exemple, le dossier de la Russie en Afghanistan, qui conventionnellement est supérieur par rapport à l'Afghan, ou l'armée afghane, calée normalement l'armée de la Russie. Regardez tout, au niveau conventionnel, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, même l'armée française là, qui a plus d'armes que nous-mêmes en tant qu'esclaves, nous calons l'armée française là. Donc, je veux dire, au niveau stratégique, nous avons des réflexions à court terme pour nous faire par rapport à la minorité raciste de Boussan, qui a essayé de créer un conflit entre deux peuples qui ont des conflits. Qui vont nous gérer? Libanais dominicains, Libanais haïtiens qui ont essayé de générer le conflit, ensemble avec SDP unité qui a alimenté le conflit. Donc, c'est un défi qui est lié pour nous, mais bon, éducation politique, surtout nous-mêmes dans le matin débat pour nous faire, pour être la, pour être la vigilance, parce qu'en 1937, minorité de Boussan, ça a tellement gain corps, c'est lui qui contrôle 85% des médias dominicains, c'est lui qui a mené politique haïtien orienté vers la violence, c'est lui qui a mis poison anti-haïtien dans le système éducatif dominicain. Donc nous-mêmes dans la presse, nous-mêmes dans la société civile, nous-mêmes dans la partie politique, il faut que nous avons une stratégie commune et collective
en tant qu'haïtien, comment pour nous désamorcer boum ça, que minorité raciste 2% représentée. C'est bon, je vois que quel est, et il a tué 30 000 personnes pour nous en 1937, et il a préparé un nouveau. Il ne faut pas oublier que nous avons une société secrète. On a un gros rencontre qui se peut en bureau l'ONU là, à côté l'ONU lui-même, il a passé l'autre ensemble avec le président et Dominicain Abinader, et bien lui-même, Luis Abinader, pour lui-même, il est capable de retourner et sous décision pour capable ouvrir, et bien, et tout, et bien, et pour eux, et bien, Jean que il dit, c'est William O'Neill qui réclamait réouverture frontière à la République Dominicaine, et bien, c'est ça que même nous sommes pas là, et bien nous pensons que nous avons une équipe nous qui. Et puis, frontière haïtienne dominicaine dans la ville de Wanamet, et bien nous avons informé des situations dans le pays d'Haïti, pourquoi pas, et bien ensemble de variations qui ont passé dans le cadre de ces rivières massacres. Et bien encore une fois, nous là, et bien hier et lundi, un barbecue dans la tête de délégation annoncée, menacée, Yopal Bayariel, Bois-Calé, et nous Genève, GPEP qui feront seul. Et bien, au point d'initiative, yo pral déraciner Ariel. Qui ça, ça pral porter? Est-ce que finalement Ariel pral tomber? Et bien, un dossier qu'il a pris de la suivre. Pendant ce temps, nous, et bien, Luis Abinader, bon côté parle, et bien, qui déparle, quoi qu'il fait qu'on est, c'est pas contre le peuple à le faire frontière, mais c'est contre bandits. Luis Abinader qui commence à changer langue, à changer discours. Après, et bien, plusieurs, en pile pression qu'il se prend dans l'ONU, ensemble des présidents, pral fait la une de cette liste d'actualité. Oui, l'autre fois encore, nous saluons tous les amis. Et bien, nous pourrons aller directement au niveau de Nations Unies. Et bien, c'est là. Et nous pourrons aller parce que nous connaissons que c'était le sommet que tu as réalisé. Bien, donc, expert des Nations Unies en droit de l'homme, William O'Neill, qui réclamait dans un communiqué qui datait le 18 septembre 2023, réouverture frontière dominicaine, et bien, pour des raisons humanitaires. Et bien, ce dernier, il évoquait insécurité et violence occasionnées par groupe gang armé dans le pays d'Haïti, qui, eux-mêmes, ils ont fait un pile produit, et bien, première nécessité, et tel que nourriture, et bien, matériel, médical, et puis médicaments, ils ont même importé de la République dominicaine, et bien, directeur clinique médical, ils ont dans le pays d'Haïti, côté que eux-mêmes, ils dit, ils ont pas capable de soigner, et bien, patients aussi, accès à République dominicaine, dans les mêmes, les coupés. Eh bien, les vies sont en jeu, a prévenu William O'Neill, et qui soulignait que Haïti recevait au moins 25% de sa nourriture de la République dominicaine, et que gain en pile l'école, eh bien, dans la zone frontalière là, qui achetait, eh bien, l'autre côté, dans la frontière, aliments que nous utilisons pour et les repas de leurs élèves, mais accès et l'eau également, et à travers, eh bien, c'est ça que même je t'ai dit. Eh bien, t'as dit, en réponse, en ce moment, communiqué américain, eh bien, bureau et communication et chancellerie république dominicaine fait qu'on est que gouvernement dominicain a exprimé profond inquiétude face avec l'absence réponse Nations Unies dans grave et crise humanitaire, sécuritaire et politique qui a affecté le pays d'Haïti depuis des années. Eh bien, depuis 2021, nous exhortons, eh bien, communauté internationale pour capable répondre avec l'appel aide autorité haïtienne. Je parle de reconnaissance impact, eh bien, de crise sous région et en particulier sous pays. Eh bien, nous rejetons et donc catégoriquement les déclarations partiales et malheureuses de monsieur O'Neill, a dit que Dominique Eyo, qui est à parler là, compte que Dieu rejeté, eh bien, proposition monsieur O'Neill là. Tout d'abord, nous réitérer que tout dialogue avec Haïti, les conditionnés, pour arrêter et effectif de construction, eh bien, unilatérale et illégale, et canal fleuve là. Eh bien, Dominique Eyo dit, ouais, prend pression, et dans les Nations Unies, et côté que même je dis pour yo même yo t'es capable et parler ensemble avec monsieur et bien faut que et construction canal lui-même et lui est campé et bien déclaration conjointe 27 mai et côté que monsieur O'Neill a fait référence elle était basée sur conditions et bien comme confinement et bien déclaration et ministre Roberto Alvarez la date 31 mai 2021 et communication avec le ministre haïtien des Affaires étrangères et du 6 juillet 2021 et bien de laquelle et bien ministre a réitéré appel ensemble avec un dialogue sous condition ça. Et deuxièmement, et quand que monsieur O'Neill même lui mentionne les questions de la migration qui pas liée avec conflit et canal.
et bien comme nous avons exprimé, et bien dans le cas de réponse à M. Onel le 29 juin, et bien nous sommes pas responsables de la situation interne à Haïti et il n'est pas raisonnable pour que le pays nous-mêmes nous capable assurer. Donc c'est comme ça que le gouvernement dominicain mieux prend note de demande pour laisser passer aide humanitaire vers Haïti, mais il a affirmé résolution immédiate et définitive de problème là est entre les mains d'Haïti. Et bien lorsque il décide pour capable mettre fin à la construction canal là, et bien comme ça que Dominique eux-mêmes yo et parlé, ont dit que il pas un problème, mais faut que yo capable camper et bien construction canal là qui sont construction illégale. N'a pas continué le même cas d'information, yo. Et bien, Jacques Kenzo Dili, l'expert indépendant des droits humains en Haïti, yo dit, yo, alarmé par la décision du gouvernement républicain dominicaine pour fermer frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti. Monsieur William Onel, qui demandait avec le gouvernement républicain dominicaine pour capable retourner et bien sous et décision que lui-même était arrivé adopté. Pendant que n'a avancé et dans le même cas de dossier, ça, mon Jérémy débarqué. Oui, voilà maintenant. Oui, Jimmy, nous avons avancé avant que nous allons faire des déclarations d'une dame, un docteur qui lui-même qui sortit, Jérémy, une délégation qui lui-même est rentré eh bien, au niveau de Wanamet. Ah, eh bien, mesdames, messieurs, photo ça nous mettait sur l'écran. Et c'est monsieur qui nous a parlé, ministre Ariel, là, et qui a baillé pression, soi-disant, monsieur agent Bissapio. On a regardé James Cadéan, c'est lui-même qui est sur l'écran là. C'est lui parce que nous toujours dit. Eh bien, faut nous montrer photo individuel, fatra sa yo, et soi-disant faux patriote sa yo, hein, j'en ouais sous photo, hein, eh bien, dans nos rangs, nous pas si vous avez traite, eh bien, ça, méfuguez, mesdames, messieurs, gardez le bien, hein, nous-mêmes qui peut-être dans Wana maintenant, qui tout de côté, si nous t'en croisé avec ça, comme si pour nous balcaton, parce que sincèrement, eh bien, ça, c'est monsieur que Ariel a utilisé là, via agent Bessapio pour, si vous êtes capable de détruire, pour pas dire retirer agent Bessapio, mais quand même, j'en ai toujours dit, on a continué à féliciter monsieur yo, parce que yo dit, yo répété et yo signé de elle, pas de question pour yo retirer quoi yo dans le cas d'agent Bessapio, mais il était important que nous montrons une photo individu ça, qui sur écran, mesdames, messieurs, parce que nous toujours dit, ennemi, faut que nous sommes capables d'identifier pour elle. Oui, il n'a pas avancé dans le même cas de dossier, côté que nous parler gagner réaction au niveau de protecteur, eh bien, citoyen qui lui-même qui gagne réaction, eh bien, dans le même cas de dossier, et ça, dossier, et canal là, qui s'en sait après la une de l'actualité, eh bien, le protecteur citoyen, Wena Edouville, est qualifié, saluer les discriminatoires, eh bien, traitement, autorité dominicaine, à bail ressortissant haïtien, en République dominicaine. Monsieur Renan Edouville fait connaître OPC, voyons correspondance par responsable Douamounio en République dominicaine pour être capable de pencher, mais sous calamité, immigration à faire ressortir ça haïtien, mais passer en République voisine. En côté, on prétend et bout dans la déclaration protecteur citoyen Renan Edouville qui lui-même qui est demandé ensemble avec les Dominicains, et bien mes amis, pour essayer de prendre conscience parce que n'est pas possible que Haïtien lui-même lui a pas victime en bas, mais et bien Dominicain, et bien c'est déclaration protecteur citoyen Renan Edouville et qui lui-même est qualifié et salué les discriminatoire et bien traitement autorité dominicaine à bas ressortissant haïtien. En côté, on bout dans la déclaration. Oui, Edouville. Monsieur Saouki dans le gouvernement Ariel là, et pas d'elle, nous pas passer, nous pas passer, nous pas passer rien qui grand rapport. Oui, Edouville, pas dans le gouvernement, non, c'est protecteur citoyen que lié, lui-même n'est pas dans le gouvernement, c'est protecteur citoyen. Et alors, Jimmy, alors, juste avant que nous, bon, que nous évitions par ces extraits d'audio, et René Edouville, qui c'est protecteur citoyen, donc est-ce que je viens de dire, les citoyens haïtiens sont protégés? La réponse c'est non. Et je dis à moi gagnons bail cap manigancer dans société là. Tout ça que légal, nous voulons faire paraître pour illégal. Et nous te gon président qui était élu par le peuple, un président qui est légal.